Eh bien, coucou les Scapradictes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul nose et action. Alors, action, c'est tout petit. Toujours de l'asthme, là, c'est pénible. Alors, chez Action, j'ai appris du papier photo pour faire mes petits fonds, là, patouille, que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc, j'ai pris du papier photo. Ça sera plus joli comme effet. Et j'ai pris pour faire mes découpes en polystyrène ces deux dies que j'avais pas, les petites feuillages, les petites plumes. Non, c'est pas une plume, c'est une feuille, enfin feuille plume comme on veut. Et voilà, donc j'ai pris ça pour faire mes petites découpes en polystyrène et pour faire aussi voilà, un petit album bébé aussi, avec des décos en polystyrène. Je pense que ça va être sympatoche. J'avais pas de petits landeaux. J'avais pas de... Les petits puzzles, là, qui sont sympas. Les petits petons. Les petits cubes. Bah, voilà. J'avais des autres choses d'ice de chez Action. C'était un biberon. Je sais plus ce qu'il y avait. Un truc bébé, mais... J'avais pas de landeaux. Donc, ça, c'est super sympatoche. Voilà, et c'est tout ce qu'il y avait comme nouveau dalles. Il n'y en avait plus déjà de l'autre fois, les autres. Et celle-ci, j'ai failli que je fouille. Ah, mais c'était dans les vieilles dalles, tout au fond, tout au fond, tout au fond. J'ai dit, oh, elles y sont. J'ai fouillé pendant un sacré bout de temps. Bon, bah, comme j'ai un nose à côté, ça faisait longtemps que j'ai pas mis les pieds. Ah non, chez Action, j'ai pris. Je vais essayer ça. Un truc de colle en fait, voilà, double face, voilà, je vais essayer ça pour le scrap. Alors chez nous j'ai trouvé plein de choses, enfin il y avait encore plein d'autres choses mais j'ai pas pris, s'il y avait des dalles qui étaient vraiment trop trop chères, pratiquement à 5,99 ou 6,99 même, et il y avait des grandes dalles mais très très grandes, format pratiquement A4. Donc moi j'ai pas la Bishop A4, donc ça me convient pas. Attendez, je vous laisse, j'ai la bagarre des chats dehors. Me revoili, me relou. Donc plus de peur que de mal. C'était pas des Delambrouille, c'était l'autre Grivous là qui est. On l'appelle en ce moment Zazette et Pouzix, elle est enceinte jusqu'au croc là. La pauvre bête. Et je la fais pas rentrer à la maison là. Alors, je lui ai installé dehors une caisse en bois avec plein de vieilles couvertures. Puis elle va faire ses bébés là-dessous. Elle est à l'abri, là-dessous nous a un petit auvent. Elle est à l'abri du vent et de la pluie, donc déjà c'est déjà pas mal. Mais je peux pas la faire rentrer, j'ai déjà trois chats, donc après ça fait trop à la maison. Déjà je la nourris, c'est bon. Je vous la montre en photo si j'arrive. Elle se bagarouille avec ma Miss Praline. C'est une petite bagarre. Donc, je vais vous montrer les dalles que j'ai trouvées. Donc, alors, ça, c'est de la marque Creative Expression. Voilà, ça, c'est Miss Praline qui s'exprime. Alors, c'est des dalles petit cœur. Je pense que ça va aller super bien aussi pour faire un fond avec mon papier, C'est pas crêton, c'est. J'ai perdu mes mots avec ces chats. Ah, mais ils m'embrouillent la tête, ces chats. Voilà, avec mon polystyrène. Donc, je vais essayer de faire un truc avec ça. Parce que ça se découpe super bien, en fait. Donc, j'ai pris ce dies petit cœur. Et la dimension, c'est 10,5 par 14,8. Voilà. Ils mettent deux dies. Ah oui, parce qu'on peut faire le tour. Qu'un cadre où on peut faire le petit le milieu avec des cœurs. Voilà, il y a deux dies dedans. Et ceci, c'était quand même 3,99. Hein. Donc j'ai pris ce modèle. J'ai pris celui-ci, c'est 3,50. Je sais pas pourquoi. Hein, c'est toujours de la marque Creative Expression. Donc il y a toujours deux dies aussi dedans. Ça donne ça. Un petit peu ajouré, voilà.
Voilà, j'ai dit pour faire un fond, voilà, sous une photo, peut être sympatoche. Alors voilà pour le deuxième dies. Après, j'ai pris ce modèle-là, un petit peu, voilà, un peu fond, un peu, il y a des petites fleurs, il y a des petits ronds, il y a des petits, voilà. Donc j'ai trouvé sympatoche, il est assez original, je trouve. Bon, il y en a toujours aussi. Là, il y en a 7 de dies en fait. Parce que si on peut faire. On peut l'agrémenter comme on veut en fait. Il y en a 7 de dies là-dedans. Oui. Donc, et c'est la dimension du tout, ça fait 11,2 par 11,2. Et là, c'est 2,99. Voilà, il n'y a que le petit. Et c'est toujours de la même marque. Voilà pour les dies, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout ce que j'ai pris en dies. Après, en pochoir, en petit pochoir à 0,89, il y a celui-ci. C'est marqué week-end. Il y a des petites flèches, il y a des petites croix, il y a des petits. Je surveille mes chats en même temps. Voilà, donc un petit pochoir comme ça. Un comme ça, donc ils sont numérotés, donc il devait avoir toute une série. Hein. J'ai trouvé que c'est 3 modèles. Là, bah, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Il y a une petite note de musique, il y a pour faire du yoga, il y a Statue de la Liberté, donc c'est bien mélangé. Un petit moulin, une petite chaussure, une patte de chat, voilà, un cube, un petit. Escargot, la tour de Pise. C'est bien bien mélangé hein, en fait. Voilà. Donc voilà, il y a la tour Eiffel aussi. Bah, ça pas toi, j'ai dit. Ça peut toujours servir. Et puis là, c'est des petites flèches, des petites arabesques, des petites décos. Donc voilà. Pour ces 3 petits pochoirs. Ensuite. J'ai pris un. Ça, c'est pas un pochoir, c'est un. Comment ça s'appelle déjà? Un masque, en fait. Donc, j'ai pris ce modèle-là. Donc, je sais pas trop de quelle marque c'est. Je sais pas si c'est masque, la marque, je sais pas. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ce modèle-là. J'ai trouvé sympathique. Voilà. Ensuite, j'ai pris un truc de gaufrage à froid. Donc, c'est des petites fleurs, voilà, sympatoches. Il y en avait plein d'autres. Plein, plein d'autres. Et le prix, c'est 1,99. Et celui-ci, ça c'était 1,20. Ça, c'est 1,20. Et là, il fait 19 centimètres par 14 et demi. Donc voilà, il est pas mal. Toujours de la marque Creative Expression. Voilà, il y a plein de cette marque-là en fait. Mais celui-ci, regardez, il est un peu voilé. Vous voyez? Ils étaient tous un petit peu déformés. Il faut que je le mette sous quelque chose pour bien le remettre comme il faut. Voilà. Et après, j'ai pris des tampons cuir, hein, qui est sympatoche, toujours de la marque, toujours Creative Expression. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses comme ça. À 1,50. 1,50, j'en ai pris deux. Donc, celui-ci, il est trop beau, je trouve. Ah, c'était le seul qui avait. J'adore ces petites fleurs-là. Des petites marguerites avec un petit papillon. Alors, il y a marqué juste à note. Voilà. Donc je trouve ça trop trop beau. Je vais essayer sous mes avec le fond là sur mes papiers papier photo avec de l'encre et puis des effaceurs des colliers là. Je vais essayer si je pense ça va faire trop trop beau. Voilà. Donc c'est auto adhésif. Vous savez comment ça marche. Hein, c'est on le met sur le.
fait, il faut enlever. Je sais plus comment ça marche. Il faut enlever une petite épaisseur là, je crois. Et puis mettre sur la machine de... Ouais, il doit y avoir un truc à enlever là. Si je ne me trompe pas. Je vois ça de plus près. Avec mes lunettes, j'y vais. J'ai rendez-vous jeudi. Ah oui, voilà. Il y a un truc qui s'enlève là. Voilà, il faut enlever ça. Et ça se. Voilà, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se bidule sur la planche de tamponnage d'action. Voilà. Donc il y a le petit truc à enlever et voilà. Donc j'ai trouvé celui-ci trop trop mignon. Trop sympa, ce petit paysage champêtre. J'attends les beaux jours, hein. Là, il y a du soleil aujourd'hui, mais la neige ne fond toujours pas. Hein. Il y a 10 degrés, 9 degrés, 10 degrés, mais ça ne fond pas. Et là, j'en ai pris un autre. Toujours de la même marque, Creative Expression. C'est un petit 4 comme ça. J'ai trouvé trop beau aussi. Bon, il y en avait plein de tamponnages comme ça. Il y en avait plein, plein, plein. Des très chers. Et là, j'ai pris les moins chers, hein, 50. Les autres étaient très plus onéreux, pratiquement à 3,99 ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas bien plus joli. Enfin, à mon goût, c'était les deux qui me plaisaient. Donc, il y avait tout un bac d'arrivage de la marque Creative Expression. Et puis, des autres petites bricoles à côté. Et voilà pour mon petit haut, le nose. Voilà. Il est assez. Voilà, j'ai des dies, j'ai des tamponnages, j'ai des. Il est assez complet, ça suffit, voilà. Voilà. Parce que j'ai trouvé mes petites trouvailles à nose. J'étais assez contente. Voilà, donc je vais pouvoir faire tout ça. Walou, ça va faire encore du scrap. Allez. Bon, moi, je crois que je vais m'arrêter là pour les hauls. J'avais dit ça déjà. Je vais quand même là cette fois utiliser ce que j'ai là. J'ai plein de choses, plein de dies que voilà. Et avec mes petites trouvailles, je vais essayer de faire plus de créations là et puis faire plus de voilà de petits fonds patouilles, de trouver de fouiller des idées sur les autres chaînes. Et puis je vous les retransmettrai si mes petites trouvailles comme patouille. Voilà. Voilà, je vais essayer mes fonds. Voilà. Bon, action, j'avais pris aussi des rongettes pour Monsieur Scrap. Et puis des petites récompenses, comme j'appelle ça. C'est des petits bâtonnets en espèce de petite gourmandise pour chien. Et puis pour mon fils, une récompense aussi, des Mickey Way. Et voilà. C'est tout ce que j'ai pris. Voilà. Pour mes petits achats. Du jour de ce matin. Après, j'ai une semaine bien remplie en rendez-vous pour mon fils, pour moi, son dossier MDPH. Ça y est, ça remerdouille, entre guillemets. Il me demande plein de nouveaux certificats médicaux, là. Il me casse la tête. Donc, faut que je retourne au médecin, faire remplir parce qu'il a fait le certificat médical, mais ça ne leur convient pas. Donc, il faut que je le refasse faire. Donc voilà, j'ai rendez-vous. Voilà, à l'ophtalmo, ben, mon fils y a été. Moi, c'est jeudi. Je vais me faire essayer. Mes dents sont quand même finies. Je vous fais un petit blabla. On parle de ma life. Hein. Mes dents sont quand même finies, ça y est. Maintenant, c'est mes lunettes. Parce que j'y vois plus rien. Alors vraiment plus rien. Ça ne sert à rien. À part un peu de loin que je vois quand même dedans, mais de près, je vois plus rien. Donc, je vais chez l'ophtalmo jeudi et après mercredi prochain faire chez l'opticien les lunettes, les devis et tout le Bataclan. Donc voilà, je ne sors pas de ces rendez-vous. Après, j'ai des rendez-vous pour du boulot demain. Mon fils a un stage, un mini-stage juste la matinée demain.
Alors, faut que je jongle entre moi, lui. Et voilà, donc voilà. Donc, je vais essayer quand même de scraper. Je ferai des vidéos le soir. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse les scrapadites. Là, je vais grignoter un petit bout. C'est 12h30. J'ai fini mon petit ménage, mon petit appoint, comme j'appelle. Et maintenant, petite casse-croûte. Et voilà. Donc, après, c'est bon. J'ai fini mes rendez-vous ce matin. Après, chaque jour suffit à sa peine. Voilà. Bon. Ben, je vous laisse les scrapadites. Scrapez bien. Je vais essayer mes fonds là sur le papier. Le papier photo. Et je vais essayer mes petites découpes avec le. Le machin bidule, chose, truc, chouette. Voilà, vous m'avez compris. Je vais essayer mes découpes avec. Voilà. Voilà. Bon, je vous laisse, les scrapadites. Bisous. Scrapez bien. À plus. Bisous. À plus, les scrapadites. Bon, ben, les scrapadites, je vous montre la minouche hein, qui est. Qu'on l'appelle la Zezette épouse X. Bon, bah, comme je vous l'avais montré, dit, elle est enceinte jusqu'au croc, la pauvre bête. Donc voilà, donc on a aménagé des petites caisses. Et là, elle mange des petites croquettes, voilà. Voilà, je voulais vous la montrer. Bisous les scrapadiques. Et monsieur Scrap qui n'en perd pas une miette. Voilà. Mais ils s'aiment bien. Ils s'aiment bien tous les deux. Voilà, bisous.